Alors bonjour à tous, bienvenue, mon nom est Monsieur Gabriel. On va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. On va travailler fort, on s'entraîne, on continue à rester fort et en santé. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer le cours? Oui, monsieur. Préparez la position. Position! Préparez-vous pour les jumping jacks. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Let's go! Jumping jack! Allez, let's go! Pour 5, 4, 3, 2, 1, et on fait les power jack! Let's go! Encore pour 5, 4, 3, 2, 1, et yamé, stop! On prend une jambe ici. Vous avez deux choix. Vous pouvez soit faire lunge en switch, une jambe, l'autre jambe. Plus vous allez bas avec le genou, plus ça force. Ou, évidemment, si on a mal au genou, on y va. Une jambe, l'autre jambe. Je peux mettre les mains aux hanches ici, les mains hautes. Et c'est parti, on y va. Une jambe, l'autre jambe. Ou bien sûr, sinon on fait les switch en lunge. Let's go, keep it up. Allez, vas-y. Encore pour 5, 4, un peu plus bas, 3, 2, 1, et stop. Je prends une jambe ici, je viens gripper la cheville et je relève à l'arrière. Bien s'étirer, être en forme, être en souplesse. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Même chose, l'autre jambe bien sûr. Pas de chicane, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre côté. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. Préparez la position. Position. Pose le combat. Ha! Ce que je viens faire ici, main devant, le jab. Je ramène pour le back fist ici. Mais je veux le faire en continu. Donc, jab, roule, back fist. Normalement, je viens le faire sur le côté. Là, je viens frapper un peu en angle ici, par-dessus la tête. Jab, back fist. Jab, back fist. Pas besoin d'y aller trop vite. Je suis allé ici. Boum. 1, 2, 1, 2, 1. Encore. 2, 2, 1, 2, 1, 2. Encore. Let's go. Ah, ça commence à brûler. On lâche pas. 1, 2, 2, 1, 2. Si on est capable, on va plus vite. Let's go. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Faut que ça claque. 3, 2, 1. Et stop. Le bras qui vient d'être utilisé, pardon, je viens le prendre à l'avant, pose vers le bas, et je viens chercher en uppercut ici en dessous, et je tourne. Et je tourne la tête vers l'autre côté. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Même bras à l'arrière ici. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et l'autre côté, je me place ici, position de combat. Même chose, le jab et le back fist. Faites attention, des fois, je vois des gens là, qui ont les jointures blanches là, à force de serrer les poings ici. Okay, allez-y doucement. Le jab ici, là, c'est vraiment pour s'étirer, pour se mettre en forme. Donc, c'est pas grave si même mon poing est moins bien fermé, juste le mouvement ici. Boum, boum, jab, back fist. Go, let's go. On continue. Oh, je dois faire attention au micro avec ça. Un peu plus vite. Allez. On expire, on inspire. On oxygène les muscles en même temps, on lâche pas. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Le même bras. On croise devant. Uppercut en dessous. On tire et on tourne la tête de l'autre côté. Oh, ça fait du bien ça. Souvent, on utilise beaucoup les bras, on oublie de les étirer pendant la journée, on transporte des choses, on est à l'ordinateur, ça travaille beaucoup au niveau des deltoïdes. Et ensuite, on arrive, on a mal dans le dos, mais on s'étire. Ça fait du bien. Ça permet de rester actif et bien sûr d'éviter les blessures même au travail. Comme 5, 4, 3, 2, 1. Et on se place tout de suite, position push-up. Let's go guys and girls. Les deux mains ici à l'avant, je me place légèrement en angle pour que vous voyez bien. Donc, ce que je veux venir faire ici, je touche l'épaule d'un côté, donc main droite touche. En revenant, jambe gauche, viens toucher à l'autre pied. Touche, 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 touche. Let's go, un peu plus vite. Si ça ne force pas assez, on fait les deux en même temps. Hop, oh, mauvaise idée pour moi avec le micro. On y va, boum. Boum, boum, pour 5, 4, 3, sinon il va une fois, 2,
1 et stop. Excellent. On ne bouge plus les mains. Et bien sûr, ce qu'on fait d'un côté, on doit faire de l'autre côté. À l'équilibre. Même principe, on y va avec l'autre main. Touche, jambe touche, main touche, touche. 1, 2, ou sinon on le fait ensemble. 1, 2, 3, on doit garder l'équilibre. 1, 2, 1, 2, il y en reste 5, 4, on lâche pas. T'as pas mal, j'ai pas mal. Allez, Rocky. 3, 2, 1, et stop. Je prends les deux mains ici. Hey, c'était bon ça. Good job. Évidemment, bien sûr, si pour vous c'est pas suffisant, on peut en faire plus. Vous pouvez mettre la vidéo à pause, en faire 10 de plus, peut-être 20. Jamais moins, toujours plus au karaté sportif. Alors, je prends une jambe ici, j'ouvre une jambe, et l'autre jambe, je viens la plier à l'arrière ici. Main du même côté, je viens porter derrière. Pas trop loin, je fais juste ouvrir le plus grand possible, et je descends loin. Soit je descends sur la jambe, ou si je suis capable, je vais chercher aux orteils. On s'étire bien. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. La jambe qui était allongée, replie ici, coude au sol, je pousse la main très haut, et je relève les hanches. Si ça ne tire pas assez, je vais porter la jambe un peu plus loin derrière. Pour 3, 2, 1. Et on relâche. La jambe qui était à l'arrière allonge à l'avant. Et l'autre jambe replie à l'arrière. Main au sol. Et je vais chercher le plus loin possible. Toujours sans donner de coups. Mais oui, je le répète, on doit éviter les blessures. Il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir faire de karaté parce qu'on a essayé d'aller trop loin, de la mauvaise façon. Faites attention, soyez progressif dans vos entraînements, dans vos enchaînements. Le but, c'est de se dépasser soi-même, pas de dépasser les autres. Comme pour 5, 4, 3, 2, 1. On replie. Coude au sol. Push it up. Reach for the sky. On y va. Encore une fois, si ça ne tire pas assez, ah, je recule l'autre jambe. Ok, oui. Pour 3, 2, 1. Et stop. Petit défi ici. Je me place en papillon. Pas les pieds trop collés. Je leur laisse un petit espace ici. Ce que je veux venir faire... Je veux venir basculer mon corps vers l'avant, hop, sur mes pieds, et relever. On le fait une deuxième fois. On se replace. Donc, je bascule mes pieds vers l'intérieur, et j'envoie mon poids vers l'avant pour remonter. Est-ce qu'on a encore l'énergie? Oui, monsieur. Plus haut, plus vite et plus fort. Position, pousse le combat. Ha! Ce que je veux venir faire, jambe derrière, coup de genou, et ensuite, je fais un petit pop kick, un switch kick. Donc, 1, je vais chercher loin, kick, et je me replace. 1, 2, et on y va. Go, genou, switch kick. Go, 1, 2. Dès que je dépose au sol, c'est comme un ressort. Pow, le kick revient. Go, 1, 2. Go, 1, 2. Go, 1, 2. Allez chercher loin avec votre coup de genou. Go, 1, 2. Switch. Même chose. Genou, pop kick, et je me replace. Je peux déposer devant pour revenir à l'arrière. Il n'y a pas de problème. Go. 1, 2. Go. 1, 2. Go. 1, 2. Keep it up. Go. 1, 2. Dernière fois. Deux qui aillent. À notre maximum. Go. Ha. Ha. Position. On salue. Très beau travail. Jusqu'à présent, on s'applaudit très fort. Ouf. Qui a chaud, lève-le. Ah, si t'as chaud, ça veut dire que tu travailles fort, mais on peut continuer, on en veut plus. Alors, oh, le temps passe vite, on continue avec une autre technique. Position, position de combat. Ha! Ce que je veux venir faire, je veux venir faire un switch, le jab. Je dépose devant, direct, je reviens, coup de coude. Donc, quand je fais mon switch, là, c'est pas un switch pour changer les hanches de côté, c'est un switch de kickboxing. Donc, si je me place de côté ici, jambe devant vient croiser derrière et ma jambe derrière vient croiser devant en même temps. Donc, quand les deux font ensemble, mes hanches restent du même côté,
Mon regard reste dans la même direction et ensuite j'avance pour mettre du poids pour mon direct. Donc, on y va ici. Switch jab, dépense direct, coup de coude. Coup de coude, je peux soit venir garder le bras ici, je peux venir plier le poignet pour venir chercher plus d'amplitude collée sur moi ici. Ça, c'est plusieurs façons de le faire. Alors, on est ici. Go! Switch! Tcha! Pow! On se replace. Go! Switch jab, direct, coude. Go! 1, 2, 3. Go! 1, 2, 3. Ah, ça c'est bon ça. Go! 1, 2, 3. Dernière fois, 3 qui aille. Go! Ha, ha, ha. Switch! Ha. Double switch! Ha, ha. Même chose. Switch! N'oubliez pas, c'est la jambe derrière qui croise devant, pas le contraire. Ok, je fais pas le breakdancing ici. Là. Jab, dépose devant, direct, coup de coude et je me replace. Oh, je dois faire attention dans deux minutes. Déplacer un peu le micro pour éviter de coup de couder le micro. On y va. Go! 1, 2, 3. Go! 1, 2, 3. Go! Jab, direct, coude. Go! 1, 2, 3. Ah, plus vite. Go! 1, 2, 3. Go! 1, 2, 3. Dernière fois, 3 qui aillent, je vais entendre ça. Go! Position. On salue. Et on s'applaudit encore. Bravo. Ouh. Oh, jusqu'à présent, ça travaille fort, messieurs, dames. Mais on doit continuer avec une technique kata avant d'enchaîner avec nos kata, bien sûr. Alors, on fait la position. Position avant. Je me place ici. Une jambe devant. Pas trop loin. Pas trop vers l'arrière non plus. Donc, genou au-dessus des orteils. Ce que je vais venir faire, je vais garder mon corps en ligne droite. Je ne veux pas tourner de côté comme ça ici. Mes deux épaules sont sensiblement au même niveau. Petit doigt ici, en dessous, sous l'autre bras en bouclier. Bloc en bas. Je me place en angle, ça va être plus facile à regarder ici. Donc, petit doigt, bloc en bas. Pouce sur le biceps, bloc milieu, au niveau de l'épaule. Passe. Tout à l'heure, quand on a fait le back fist, même principe, je passe loin, boum, à la tête. Donc, 1, 2, 3, juste ça ici, juste les blocs. Go, bloc en bas, milieu, à la tête. Go, 1, 2, 3, on lâche pas. Go, on maintient notre belle position. Hein? Si vous avez de la difficulté à plier la jambe devant, oh, je relève un peu, il n'y a pas de problème, mais je sais que la future ceinture noire, vous, ne veut pas abandonner. On garde la belle position. Go! Bloc, bloc, bloc. Go! 1, 2, 3. Et l'autre côté. Même principe. Petit doigt en bloc en bas. À l'autre bas, il sert de bouclier ici. Bloc milieu à l'épaule. Passe loin devant. Pas près de moi. Loin derrière moi. Comme si je voulais glisser sur mon bras. Pour remonter ici. En bas, milieu, en haut. Encore. Go. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Gardez la position stable. Attention, les orteils qui relèvent. Pardon, pas les orteils. Je veux garder les orteils et le talon au sol. Je veux pas que le talon relève, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. 1, 2, 3. Alors là, je peux. Bloc en bas. Milieu, en haut. En bas. Milieu, en haut. Dernière fois, en bas, milieu, en haut. Et stop. On a une jambe, l'autre jambe. Et on y va pour 10 squats sur le bout des orteils. Et c'est parti. 1, 2. Ah, je peux mettre les mains à l'avant aussi. Je garde l'équilibre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Est-ce qu'on a encore de l'énergie? Oui, monsieur. Parfait. Alors, on continue. On a une technique à faire avant de continuer avec les katas. Préparez la position. Position. Position de combat. Ha! Ce que je veux venir faire ici, je me place de côté pour que vous voyez bien. Je veux faire un switch jab. Donc, je ne veux pas le faire en tournant mes hanches de l'autre côté. Je switch. Les deux jambes se croisent. Donc, jambe devant, croise derrière. Et jambe derrière, croise devant en même temps. Et je fais le jab en même temps. Je dépose. Direct, coup de coude. Donc, je me place avec vous ici. Jab, je dépose devant, direct, et le coude.
Et go. 1, 2, 3. Go. Switch. 2, 3. Faites attention à ne pas vous frapper vous-même avec le coup de coude. Je reste ici au niveau de l'épaule. Je peux même plier mon poignet pour me donner plus d'amplitude pour aller chercher plus loin. Switch jab. Tirec. Coude. Go. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Et switch. Ha! Même chose. Jambes derrière, croise devant. Attention, je veux pas croiser derrière, c'est pas du breakdance. Croise devant, le jab. Je dépose large, direct. Coup de coude et je me replace. Go. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Plus vite. Go. 1, 2, 3. Dernière fois, 3 qui aillent à notre maximum. Go! Ha! 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 Position! On salue et on s'applaudit très fort. Good job! Alors, on poursuit avec les katas. Donc, c'est simple, les katas qu'on fait aujourd'hui, je ne les fais pas avec vous. Je vous aide, je vous donne les directions, je vous donne les instructions, mais c'est vous-même qui le faites. Alors, si vous ne connaissez pas le kata, ce n'est pas grave. Il y a plein de capsules, vous pouvez aller les pratiquer à votre maximum. Ou, évidemment, si un kata plus avancé, vous pouvez sauter par-dessus et aller jusqu'à la fin du cours pour terminer avec les derniers exercices. Alors, on débute avec le deuxième kata. Position. Deuxième kata. En garde. À gauche. Bloc en bas. Jambe derrière. Kick. Et le jab. Le même bras. L'autre côté. Bloc en bas. Jambe derrière. Kick. Et le jab. Bras gauche. Même bras vers moi. Bloc en bas. Jambe derrière. Kick. Jab une fois. Kick. Jab deuxième fois. Kick, jab, kiai. Bougez pas. Jambe arrière, point, ce qui est sur le côté. Pivote vers le dos. Bloc à l'épaule, bloc milieu. Kick et le jab. Le même bras, bloc milieu de l'autre côté. Kick et le jab. Même bras à l'arrière, bloc milieu encore. Vers l'arrière, kick, jab trois fois. Go. Kick, jab une fois. Kick, jab deuxième fois. Kick, jab, kiai. Le bras qui est au côté et jambe arrière. Pivote vers le dos jusqu'à la gauche. Bloc à la tête. Hein, bloc en haut. Kick et jab. Même bras. Pivote l'autre côté. On termine fort. Bloc à la tête. Kick, jab. 3, 2, 1. En garde. 3, 2, 1. Salut. Très beau travail. On s'applaudit. Good job. Let's get it on, guys. On continue avec le premier pinane. Donc, beaucoup de blocs, hein, beaucoup de belles positions. Prenez le temps de bien les faire. Position. Premier pinane. En garde. À gauche. Même début. Bloc en bas. Marche et jab. Pff. Même bras. L'autre côté. Bloc en bas. Sans bouger les jambes. Le bras qui a fait le bloc en bas. Ramène. Back fist. Marche jab. Ki aille. Le bras qui a fait le jab vers l'avant, donc bras gauche, bloc en bas encore. Bloc à la tête trois fois en avançant sans qu'il aille. 1, 2 et 3. Bougez pas. Le point qui est au coin, pivote, bloc en bas en diagonale. Marche et le jab. Même bras à l'autre coin, bloc en bas. Marche et le jab. Le même bras cette fois-ci vers l'arrière, bloc en bas encore. 3 jabs, hauteur des yeux. Marche jab une fois. Marche jab deuxième fois. Marche jab qui aille. Ha! La main qui est au côté. Ouvre. Touche à l'oreille. Pivote au coin vers l'avant. Chuto. Ah, mes deux jambes sont pliées. Mon dos est droit. Marche. Chuto encore. Même bras. L'autre coin. Chuto. Il en reste un. Chuto. Dernière fois. Ich, ni, san. En garde. 3, 2, 1. Salut. On s'applaudit. Yeah! OK, pas le choix. On termine. Premier Knife on G pour les futures ceintures noires. Position. N'oubliez pas, je ne le fais pas avec vous. Alors, restez concentrés. Premier Knife on G. Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Jambe gauche. Croise. Ouf. Ouvrez le bras. Coup de coude. Frappe. 1, 2. En garde. Jambe droite. Croise. On ouvre. Bloc simple. Bloc double. Back fist. Jambe gauche, touche. Jab, nail punch. Jambe droite, touche. Croise, bloc. Jab, nail punch. On ouvre. Coup de coude. Frappe. 1, 2. En garde. Croise. Ouf. Bloc simple. Bloc double.
back fist. Jambe droite, touche. Jab, knee, punch. Jambe gauche, touche. Croise, bloc. Jab, knee, punch. 3, 2, 1. On ramène. 3, 2, 1. On termine. Et on s'applaudit. Bien joué. Ouf. Alors, on a fait les katas. Très beau kata. Félicitations à tous. Il nous reste un dernier défi pour travailler au niveau cardio. Alors, je me mets en angle ici. Main au sol, soit ici ou sous les fesses. J'allonge les jambes. J'ai 10 élévations de jambes à faire, 2 en bas et 10 côté-côté. Allez, on y va. Go! Allez, on lâche pas. On persévère. Quand pour 5, 4, 3, 2, 1, 1. Il y en reste un. 1 et le côté. On ne dépose pas. On est capable. 2, 3, 4, 5. On garde les jambes collées, les jambes allongées. 7, 8, 9, 9.5, 9.75, 9.78 et 10. Et on s'assoit et on prend le temps de bien respirer. Ouf. Hey, ça, c'était excellent. On s'applaudit encore. Bravo! Donc, bien sûr, si pour vous 10, ce n'est pas suffisant, on en fait 20. Si 20, ce n'est pas suffisant, on en fait 30. On surpasse nos limites. Mais attention, on surpasse nos limites à nous, pas ceux des autres. Si pour vous 7, c'est suffisant, on arrête à 7. Si vous voulez en faire plus la prochaine fois, ben, je ne passe pas de 7 à 40. Alors, je passe de 7 à peut-être 13. De 13, oh, on essaie 18. On y va par petits incréments. C'est comme les rubans sur la ceinture. Le but, ce n'est pas de passer de la ceinture blanche à la ceinture noire en un claquement de doigts. C'est de prendre le temps de gravir les échelons, d'améliorer de jour en jour. Alors, préparez-vous. On se relève dans 3, 2, 1. Confiance! Préparez la position. Position! Ce fut un plaisir d'être avec vous. On a eu beaucoup de fun aujourd'hui. Point droit, main gauche. Et au karaté sportif, nous sommes une école ceinture noire. Salut! Et on se dit à la prochaine.